Il y a encore quelques années, Carla était styliste auprès d'une marque de prêt-à-porter. Depuis 10 ans, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de Christian, son mari, atteint de la maladie de Parkinson. Mais la journée type, elle démarre pour moi à 6h du matin et elle se termine le lendemain à 4h. Donc ça fait 24 heures. Pour moi, il n'y a pas de temps de pause puisque les médicaments, les injections sont à faire toutes les 2 heures, jour et nuit. Donc je prends mon temps de repos entre chaque prise de médicaments. Fort heureusement, j'ai des aides qui viennent dans la journée et je peux effectivement me reposer au moment où elles prennent le relais. Pour être aidée dans l'accompagnement de son mari, Carla a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie, puis de la prestation compensatrice du handicap financée par le département. Ces aides l'ont soulagée à la maison et pour être soutenue au dehors, Carla a rejoint un comité d'usagers pour partager son quotidien et avoir un peu de répit. Avoir ce bol d'air, cette réunion, se retrouver entre pairs, pouvoir discuter des situations de chacun qui ne sont pas systématiquement la même que la vôtre. On se donne des conseils les uns et les autres. On en sort grandi par des petites choses qu'on a apprises. C'est des moments vraiment très, très convivial. On boit un café, on mange un chocolat, on rit, on pleure. Prendre du temps pour soi, parler de son vécu et se permettre un peu de répit, les clés essentielles pour être un bon aidant auprès de ses proches.